Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous avons un nouveau jeu qui vient d'arriver sur le PS Store pour ce mois de juin. On va regarder les détails ensemble, c'est parti. Effectivement, c'est le jeu Until You Fall qui vient de faire son apparition sur le PlayStation Store. Ce sont les développeurs Shell Games qui sont à l'auteur de ce jeu-là. Vous devez connaître Shell Games puisque c'est eux qui ont réalisé les titres I Expect You to Die qui sont très connus dans le monde de la VR et qui étaient également disponibles sur PlayStation VR 1. Et c'était vraiment des super titres. Donc Shell Games revient avec Until You Fall. Hein. C'est un portage de la version PSVR 1. Il en coûtera tout de même 25€. Et nous n'avons pas de mise à jour gratuite pour ceux qui ont le jeu sur PlayStation VR 1. Il faudra repasser à la caisse malheureusement. C'est un jeu de type roguelike hack and slash hein, aux inspirations 100% arcade. Au niveau de l'histoire du jeu, Rokar n'est plus jadis une civilisation fondée sur une puissance magique appelée Aether. Les Rokari ont succombé à un fléau aux origines nébuleuses. Désormais, des entités et des esprits atrocement déformés errent sans fin au beau milieu de ces ruines cristallisées. Ultime chevalier runique encore vivant, vous seul pouvez repousser ces horreurs abjectes avec l'aide d'un mystérieux forgeron runique. Vous façonnerez les armes nécessaires pour mener à bien votre lourde tâche. Êtes-vous le champion dont Rokar a besoin ? En attendant le live gameplay ou le test sur ma chaîne, je vous renvoie sur le test de Pixboys VR qui a eu la chance de pouvoir le tester en avance et sa vidéo est sortie. Je vous mettrai bien entendu le lien de sa vidéo dans la description. Le jeu a des bons retours critiques de la part de la communauté, donc ça fait toujours plaisir de toute façon d'avoir de nouveaux jeux sur PlayStation VR 2. Et avant d'oublier, le trailer que vous venez de voir hein, venait de la version du PlayStation VR 1, puisque malheureusement, niveau communication, que ce soit de la part de Sony ou du studio, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc du coup, on n'a même pas de trailer version PSVR 2, c'est vraiment dommage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette courte news. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo sur tous les jeux qui sont sortis au mois de juin, ce qui nous en fait environ une douzaine hein, pour ce mois de juin sur PSVR 2, donc c'est toujours pas mal. Allez, laissez un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.